Hangover, 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 hangover. Party's over, it ain't over. Try to make a bag of memory over and over. Hangover, 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 hangover. Party's over, it ain't over. Can't find a single piece of me, game over. To get drunk, smoke like a broke soul. Don't quit, take flight. I can't remember last night. It's I, this the life of a superstar. Sci-fi, whoop that boy, trooping hard. Coop car, Snoopy hard in the tree. Drink another cup until I fall flat. All that and then some. 1-5-1 done, Billy. Really for show that I'm toe back. Intoxicated, change over, game over, hangover, faded. Body shit, miss. That they love it, yes. Jack with a munch, I guess. Mini, miny, mo. Catch a lady by the toe. I'm your woman, yep, avoid the gachi, bada, bitty, bo. Drink it up and get sick. Bottoms up, get wasted. Pour it up, drink it up, live it up, give it up. Oh my god, dude, man, there's a fucking limit. Pour it up, drink it up, live it up, give it up. Bye, Lucio. I can't stop. Making bottles pop until the wheels fall off. And I can't quit. I wake up in the morning, do the same shit. Wake up in the morning, do the same shit. Hangover. Hangover. Bacon, shaking the fleas, taking the bacon, raking the cheese. Early in the morning, in the bathroom, on my knees, tipping and dripping, flipping the flow, whipping and dripping, a drink on the flow. This is the only way that I was taught a long time ago. So for Riga, you'll see a Giga like me. Never will they never be another like here. G-A-N-G-S-T-A, nothing left to say. Kinda smoke my whole day off. Baby, not a she hum, hey. Also, not a she hum, hey. Cause she got, cause she honey, cause she hago, yeah, cause she, hey. They're eating off the head, I more get the net, but data. They're eating on and on and on the back from all out. Drink it up and get sick. Bottoms up, get wasted. Pour it up, drink it up, live it up, give it up. Oh my god, dude, man, there's a fucking limit. Pour it up, drink it up, live it up, give it up. Bye, I can't stop. Making bottles pop until the wheels fall off. And I can't quit. I wake up in the morning, do the same shit. Hangover. Waking and baking, shaking the fleas, taking the bacon, raking the cheese. Early in the morning, in the bathroom, on my knees. Tipping and dripping, flipping the flow, whipping and dripping, a drink on the floor. This is the only way that I was taught a long time ago. So Korea, you'll see a Giga like me. Never will they never be another like here. G-A-N-G-S-T-A, nothing left to say. Kinda smoke my whole day off. Hangover, 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 hangover. Drink it up and get sick. Bottoms up, get wasted. Pour it up, drink it up, live it up, get. She wasn't getting my sound. She kept the volume down. C'était pour le plaisir de Elman Zaou, Aristide Ortega, Ndari Omani à Kanati. Bonjour et bienvenue à Ça Discute le matin. On est vendredi. Comment tu vas? Bonjour, c'est Gustave Claire Koudissa. Comment tu vas? À 80%, non, à 75%. C'est déjà normal. L'essentiel. Voilà, quelques infos de la musique, les news de la musique.
Bienvenue dans la musique, on va commencer rapidement. Déjà, hier c'était jeudi avec Extra Musique Internationale de Quentin Mesco qui a apprécié au karaoké bar Les Diplomates, comme d'habitude. Mmh. C'est des liens, en fait, c'est 10 ans. Donc, dorénavant, mesdames et messieurs, prenez rendez-vous chaque jeudi à partir de 21h. 21h pile, Extra Musica Internationale avec Quentin Mesco, le Grand Moïse, de retour sur scène à partir de 21h. Oui, rentrer, pas de consommation, mais acheter la boisson à l'intérieur. Et aujourd'hui, c'est vendredi, donc vendredi rapidement, j'ai dans l'information, il y a Doudou Copademi, mon sabre Bluetooth éduqué, comme on l'appelle, Kololo Pango, maître d'hôtel, qui va donner un spectacle, au village Vendôme, chez Olivier Dumont, donc à Matignon, au numéro 123 rue Matuana Zulu, quartier Bopaka. Donc ça sera à partir de 19h30, Doudou Koupa va donner un concert droit d'entrée, c'est 5000 francs, plus consommation. Okay. Alors avec 5000 francs, tu rentres et tu as la consommation. Okay. Donc Doudou Koupa sera en concert ce soir, et aujourd'hui même, il n'y a pas que des stars authentiques. Comme d'habitude, chaque vendredi, au karaoké par Les Diplomates, donc il y a Kevin Mwanebenga qui va déjà donner donc le lancement officiel de la fête internationale de la musique, parce que ça sera à partir de 22h-23h, donc il demande aux mélomanes, c'est-à-dire qu'il est les fans de la bonne musique, de venir danser ensemble avec le groupe Partout les Stars, qui va lancer, qui va donner le coup d'envoi de la journée internationale de la musique ce soir même à partir de 23h. Donc, Partout les Stars authentique de Kevin Mwanebenga. Le rendez-vous, c'est à partir de 22h pile. Et venez aussi écouter quelques extraits de l'album Deuxième Monde. Alors, demain, après-demain, c'est samedi. Mm-hmm. Donc, samedi, nous avons Fête Toto Sol, le tenant du titre. Après-demain, c'est dimanche. Après-demain, non. Demain, c'est samedi. Ah, excuse-moi, trop rapide. Dans les Kilopango. C'est dans ces formes qu'on prend. Donc, demain, c'est samedi. Donc, c'est Toto Sol, le tenant du titre. Il invite des artistes musiciens, donc des artistes, des discos, des DJ animateurs, des atalakous, des leaders qui n'ont pas peut-être de groupe musicaux pour le moment, de venir assister à un grand show qu'il organise donc demain à l'espace CEMAC, croisement rue de Dimagène via le Boutambongo, juste au petit marché. Donc, à partir de 16h. Donc venez nombreux, venez vivre la bonne musique avec le groupe Impression des As 100%, c'est Tosseur. Et le dimanche, nous avons Doudou Koupa qui revient encore sur scène. Doudou Koupa qui va donner un concert pour ceux qui viennent et qui veulent bien se détendre toujours les jours de week-end au Château des Bleus, Quintélé, à l'espace La Vallée, si je ne me trompe pas, et l'espace La Vallée, oui, c'est là donc à partir de 12h. À partir de 12h, donc dorénavant, il va donner des spectacles chaque dimanche à l'espace La Vallée, à partir de 12h, quartier Quintélé, Châtelet, Bleu. Et le même dimanche, nous avons Favela Star de Delco Bukhari qui va donner aussi un spectacle à partir de 16h à l'espace 242, chez du 15 au 15, arrêt des Pommes Massengo. Donc un grand rendez-vous, on n'est pas manqué. Venez danser au rythme de l'album Échauffement et très bientôt son album solo qui arrive. Bon, là, c'est dans les news, d'autres news. Et le même dimanche, nous avons Extra Musica, Django de Lampadaire Suprême, Chevalier de l'Ordre Mérite Congolais, chef d'État major de la musique congolaise, Roga Missile, qui est de retour depuis presque une semaine, donc qui va donner son spectacle samedi, le dimanche, à la bonne humeur à partir de 18h pile. Donc venez vivre la fête de la musique parce que c'est le samedi, ben, Roga vous donne rendez-vous pour le dimanche, venez dans ce rythme de contentieux, un album très très attendu dans les bacs à musique et vous aurez les exclusivités. Et le même dimanche, donc après le spectacle de 12h à 18h avec Doudou Koupa de Miamor, Doudou qui revient encore sur scène, le même dimanche au karaoké bar Les Diplomates. Ah, le même jour. Le même jour. Bah oui, bah, faut comprendre, c'est des artistes musiciens. Okay. Le même dimanche, l'artiste revient avec son groupe, donc au karaoké bar Les Diplomates à partir de 22h pile. 22h pile commence avec le show. Venez déjà goûter, pour ne pas dire, venez écouter les extraits de l'album. Le prochain album de Doudou Koupa, parce que le dimanche passé, l'artiste avait donné deux morceaux déjà de l'album qui va arriver très bientôt dans le bac à musique. Donc ce dimanche, je vous donne rendez-vous, mesdames et messieurs, je ne serai pas déçu parce que le dimanche passé, c'était vraiment un grand show et j'ai eu même le temps de monter sur le podium pour danser. Donc c'est un peu ça. Et nous, sinon, pour les albums, il y a le frère David Cham, David Cham qui donne un concert demain à l'église. Amour du Christ sur Itombi, sur Itombi, le frère David Cham, l'église Amour du Christ sur Itombi. Donc, comme le dit pour les enfants de Dieu, venez vivre la fête de la musique avec le frère David Cham. Et il y a Gypsy la Tigresse qui va donner un concert aussi. Donc, c'est demain juste restaurant, non loin de.
de la pharmacie Jagger, c'est ça. Ouais. C'est le nom du restaurant. Aux environs de la pharmacie ouais, Jagger. Parce qu'il fallait, normalement qu'elle me passe l'adresse par SMS jusqu'alors, mais ça pas de message. Bon, ça, on attend encore. Il y a le groupe Vindi Matiem, hein, qui vient de lancer sur le marché du disque l'album, excusez-moi, l'album Modèle Apelli qui compte 14 titres. Donc le groupe Matiem qui vient de lancer l'album Modèle Apelli. Et en même temps, il y a le groupe Cultura Mbomo Bouyamène, donc déjà disponible dans les bacs à musique avec l'opus Okera. Okera, c'est un peu ça, mais sinon, les albums très attendus dans les bacs à musique jusqu'alors, il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite, ce sont les mêmes. Ce sont les spectacles plutôt, qui sont là. Du Bukopa, Roga Roga. Et peut-être un petit message pour la fête de la musique. C'est, demain, c'est le 21. Oui. Donc, parlons de la musique un peu rapidement, en quelques minutes. Normalement, c'est le 21. Nous, en fait, il y a des mélomanes qui m'ont contacté, des amours d'abord de musique, qui m'ont posé beaucoup de questions au Mana Kanati. Est-ce qu'il y aura des podiums dans les 9 arrondissements de Brazzaville? Qu'est-ce qu'on pense du ministère de la Culture? Moi, je dirais, jusqu'alors, le ministère de la Culture, vraiment, on n'a rien fait peut-être pour la musique. Bon, on attend encore. Peut-être que demain, ils vont se réveiller très tôt le matin pour installer des podiums dans les 9 arrondissements de Brazzaville pour permettre aux différents groupes musicaux de la place de s'exprimer pour donner des choses. Parce que jusqu'alors, le ministère de la Culture de Dimo, et vu encore que nous sommes, comme j'ai l'habitude de dire, Brazzaville, la mère même, le berceau de la musique. Parce que la musique, la rumba a commencé ici à Brazzaville. La rumba a commencé ici à Brazzaville avec Polo Kamba. Beaucoup des grands noms des artistes musiciens de la RDC ont appris auprès des artistes congolais de chez nous. Mm-hmm. Ouais. Mais pourtant, ils semblent prendre le dessus sur nous quand même. Voilà. Pour une grande journée comme le 21 juin, en principe, il devrait avoir des manifestations. Les opérateurs des téléphonies mobiles n'agissent pas, ils sont là. Si le ministère ne fait rien, ils sont là alors que les artistes ont besoin de donner le show. Je prends l'exemple, avec l'artiste Trésor Le Grand Voula. Et actuellement, le numéro 3 de l'Afrique, il est là un 21 juin, il devait même donner un spectacle, il est là. Rien n'est fait. Pas de sponsor, pas de manager, et le ministère de la Culture est là en train d'observer. Ou le FESPAM, parlons même du FESPAM. On ne va pas parler du FESPAM, merci Orani. Le fait que je parle en général. On est derrière le temps. On représente, il y a l'UNESCO, on est, ah ouais, ça m'échappe un peu, si Marvel m'a pu m'aider, parce qu'on vient d'obtenir, le Congo, ça je vais revoir, ça va être pour le vendredi, et je vais essayer un peu d'en parler, parce que actuellement c'est le Congo qui représente la musique au niveau de l'UNESCO, je sais pas, des choses comme ça, l'information je ne gère pas trop encore, mais sinon, vendredi je vais revenir sur ça, essayer un peu de parler. De la musique. Et demain, tu as l'émission podium. Non, demain, j'ai l'émission podium des artistes. Okay. Demain, j'ai l'émission podium. Mais tout à l'heure, déjà, j'ai une émission à la radio. Donc, c'est bien comme d'habitude. Je vais recevoir le frère d'Avicham, qui est de l'autre côté déjà de la régie. Je vais le recevoir tout à l'heure à 14h. Et en même temps, je vais recevoir aussi DJ Tokala pour les mélomanes, la bande de musique. Mm-hmm. C'est quand même du coupé décalé. Donc, DJ Tokala, je le reçois merci tout à l'heure à la radio. Omani. Et merci demain, bien. Demain, on va parler de la mode. Il reste plus que 5 minutes. Rapidement, demain, je reçois le grand manager, le très, très, très nécessaire, l'homme à battre, c'est Shengani, dans le podium des artistes. Et vous aurez aussi des extraits du groupe Favela Star. C'est voilà. Tout. Pour plus d'informations, contactez-moi par Facebook, H-O-M-A-N-Y à Kanati, donc Omani à Kanati, ou faites-moi vos SMS ou les demandes ou des appels, des remarques ou peut-être les informations au 05 568 34 86 05 568 34 86. Merci beaucoup, Gustave Claire. Merci à toi de même. Merveille s'approche et s'installe rapidement pour nous présenter. Tu peux venir, ma chérie, viens t'installer. On va présenter la rubrique Assise Mode et Beauté. Nous allons parler du pantalon en 9 minutes. En tout cas, si on peut dire quelque chose, on va assez forcer. Hier, les téléspectateurs nous ont attendu avec les images. Nous n'avons pas. Ouh, les passer devant la caméra. Ouh là là. C'est pas grave, on comprend. Marveille va placer son micro. Nous allons parler du pantalon. Serge Mbumba, merci bien à toi, Edfé, et des coucous. Soit joyeux anniversaire à Eudes Ganga.
dit PDG pour les intimes. Merci bien. Merveille. Bonjour. Ça va. Je pense que ok, ça va très bien. Elle est jolie. Oh, merci que c'était jolie merci de regarder beaucoup. Ce débris du... Merci beaucoup. En tout cas. Voilà, alors on aurait pu suffisamment de temps. On n'a pas assez de temps. On alors, hier, c'était avant-hier, parce que avant-hier. Hier, on n'a pas pu faire et tout. Mm. Mais avant-hier, on n'avait pas aussi eu des images, mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai ramené quelques images. Images. Alors, déjà, pour les pantalons, comme on avait déjà dit, c'était un vieillard qui s'appelait Pantaléon et tout. Donc, le pantalon est un peu tiré. J'espère que vous vous rappelez un peu de ce que j'avais dit. Mm. Alors, les pantalons, on a plusieurs sortes de pantalons. Le pantalon est classé selon les longueurs de jambes. C'est vrai que quand je dis longueur de jambes, les gens ne vont pas bien comprendre, mais quand vous portez le pantalon, la longueur des jambes, c'est où est-ce que le pantalon s'arrête. Mmh. Donc, on a plusieurs sortes, classes de longueur de jambes. D'accord. On a les shorts, des shorts que non classe dans les culottes, c'est un pantalon qui s'arrête mi-cuisse. On a les bermudas, c'est quand les longueurs de jambes s'arrêtent au-dessus de genoux. Mmh. Et puis on a les cuissardes. Vous voyez ce que les cyclistes portent, les trucs moulants et ouais. Tout, c'est vrai. J'aimerais pas avoir un homme habillé comme ça. Je suis gardée pour les cyclistes, merci. Donc c'est un peu ça, ce qui s'arrête carrément aux genoux comme ceux des cyclistes et moulant comme pour les cyclistes. On a les pantacourts qu'on connaît tous, on a les corsaires, donc voilà un peu. Mmh. Et en plus, les pantalons sont taillés selon les tailles. Par rapport à la genre, taille non, okay. Pas par rapport à la taille, c'est plus... les cheveux, le micro, ah, voilà. c'est plus... quand je dis taille, c'est par rapport aux sortes des coupes de pantalons. On a les tailles hautes, on a les pantalons descendus. Quand j'ai vu pantalons descendus... Les tailles basses. Non, évidemment, c'est pas ça. Moi, je me suis dit, mais pourquoi ça m'appelle ça pantalon descendu? C'est la taille basse. Et or que c'est une sorte aussi de pantalon qui s'appelle pantalon descendu ou abaissé. C'est donc la ceinture arrive à 3 ou 4 cm sous la ligne de la taille. Et on a le pantalon taille basse. La taille basse, c'est un autre pantalon. Et la taille descendue aussi, c'est un autre pantalon. Donc, on apprend beaucoup. Moi-même aussi, on apprend au fur et à mesure, on apprend. Ah, oui. Donc, j'ai été très étonnée de le savoir moi-même. Moi, j'ai dit, mais... Mais là, j'ai quel niveau c'est que le pantalon descendu, c'est à 3-4 cm. Et le pantalon de la taille basse, c'est à partir de 6 à 8 cm. Descendu. Ah, c'est bas, c'est vraiment très bas, mais la taille descendue, elle est englobée. Moi, j'aime c'est la même chose. C'est la même chose. Pourquoi est-ce que vous n'englobez pas? Et puis, on a les formes et coupes de pantalons. C'est où est-ce qu'on voit les différentes sortes de pantalons? On a les pantalons fuselés. Ce sont les pantalons ajustés et ou rétrécis à partir du bas. C'est ajusté, mais à partir du bas, c'est rétréci. On peut le confondre avec le slim, mais pas vraiment parce que le slim, il est plus, vous voyez, c'est ajusté, bien serré et tout. Et puis, on a les pantalons qui s'appellent regular fit. C'est un pantalon dont la coupe est droite. On le voit souvent, même les tailleurs de veste, pour les hommes surtout, ce sont des pantalons regular fit. Parce que la coupe, elle est droite. Depuis le haut jusqu'en bas, il est droit, le pantalon. Et puis, on a les pantalons relaxed fit. C'est un pantalon dont les cuisses sont amples et à partir du bas, c'est serré, un peu serré. Et puis, on a le pantalon slim ou cigarette. On a le pantalon skinny. On a le pantalon oversize. On a le pantalon boycott. On a le pantalon extra flare. On a le pantalon à pattes d'éléphant. Si on le connaît, tout ça, ça a régné dans le temps. J'espère que ça ne va plus régner. On a trop de trucs. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, on va juste parler de trois, les pantalons ficelés, question de voir, et les pantalons regular fit et le pantalon relaxé. Comme on a dit, le pantalon ficelé ou carreau, c'est le pantalon ajusté, donc le bas est un peu retréci. Alors là, on a un pantalon l'autre là, ficelé côté homme, c'est un pantalon ficelé, vous voyez, en bas c'est un peu ample et puis en haut c'est un peu ample, pardon, et en bas ça lui sert un peu plus, voilà, c'est ça le pantalon ficelé. Donc c'est ça pour les hommes, bien sûr. C'est pour les hommes, hein? Ça c'est pour les hommes, mais non, il y a aussi pour les femmes aussi. Donc on peut passer les images, mais au fur et à mesure, par rapport aux images, je vous montrerai ce que c'est un pantalon. Okay. Voilà. Et là c'est le pantalon relaxed fit.
comme on avait dit, c'est un pantalon ample au niveau des cuisses, vous voyez. Et après, en bas, ça sert un peu cette fois, ce sont des pantalons amples, voilà, c'est ça. On en voit beaucoup, il y a plusieurs modèles et tout. Avec de la ballerine, ça hein? Il y a d'autres pantalons. Moi, j'aimerais pas, je trouve que ça fait pas joli. Voilà pourquoi les sandales aussi sont là. On porte plus avec des partiels. J'ai déjà vu des gens porter ce genre de pantalon avec des ballerines, bah, bon, comme on dit, ça fait la mode. Comme on dit, en temps normal, c'est avec des sparsettes. Et ne compliquez pas le haut. Vous devez mettre un débardeur ou vous mettez une marinière ou un chino simple. Parce que, imagine-toi ça avec une blouse. Aïe. Avec un blazer, scandale. Non, ça c'est un scandale. Ça, je t'assure, scandale, c'est un scandale. Scandale. Tu passes là, t'as tout trouvé. Tu passes là, moi je veux te demander, comme j'ai la petite vie, tu sors d'où. Viens, on va rester ensemble. Peut-être je veux un peu apprendre de toi. C'est un nouveau style. Donc voilà. Et là, c'est pour les pantalons. Là, c'est pour les hommes, les pantalons relaxés de fait. Vous voyez comment c'est ample. Oui. C'est ample et tout. C'est ce que les gens ont l'habitude de prendre pour faire du hip-hop. Comme on voit, comme on en dit, manoyer, excusez-moi. Non, me fait trop rire. En tout cas, vous m'excusez. Donc là, c'est pour les manoyer, ceux qui aiment le hip-hop et tout. On voit un peu. Donc c'est un peu ça, le pantalon régulier. Fait, voilà, pour eux, au moins, ils peuvent les mettre avec les baskets, une marinière. Sûr, mais je ne pense pas qu'avec un blazer, ça sandales, oh là là, l'expression, non. Pour les hommes, ça reviendra. Mm-hmm. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc voilà, vous pouvez les mettre avec toutes sortes de baskets. Mm-hmm. Et là, sur l'image, on a le pantalon ficelé pour les femmes. Vous voyez un peu, ça commence un peu ample en haut, après en bas, ça serre, c'est tout ça. Et voilà, pour moi, un joli pantalon ficelé, voilà, vous pouvez le mettre avec les ballerines, les talons. C'est pas mauvais, c'est vrai que ça serre en bas. Mais il n'y a pas de problème, il est joli. Ça dépend juste de comment la personne doit accessoiriser, avec quoi mettre ou comment veut le faire. Voilà un peu, je trouve pas mal. C'est comme on a dit là-bas, il y a plusieurs sortes de pantalons. Il y en a en pantacourt, mais c'est toujours dans la catégorie des pantalons. Donc voilà, la dame qui est au fond, c'était en pantacourt, mais c'est un pantalon fuselé. Et voilà. Et là, on a un pantalon régulier fit pour les dames. Vous voyez comment est-ce que. Et ça est un peu plus large. Pantalon, oui, voilà, la coupe elle est droite comme on a l'habitude de dire. Donc vous voyez là, le pantalon est droit, ça ne sert pas, ça ne fait pas de. Voilà, là c'est comme on dit bien les tailleurs, c'est vrai qu'on ne voit pas le haut, mais déjà on peut voir, comme vous voyez un pantalon comme ça, vous savez déjà avec quoi vous pouvez le mettre, vous pouvez aller au bout de chemise. Voilà, comme elle, je pense que la dame, c'est un chemisier, même si on ne voit pas bien. Mais je pense que c'est un chemisier, vous pouvez mettre, mais je pense pas trop qu'avec une blouse, il faut que la blouse soit un peu serrée. Je pense que la blouse soit trop ample. Pas que ce soit trop ample. Je trouve pas que ce sera pas trop joli, vous voyez un peu. Alors, vous pouvez mettre avec les ballerines, les sparsettes, comme la dame a fait, elle a mis ses escarpins. Vous pouvez mettre des stilettos, ça dépend à vous de choisir pour être voilà, merci beaucoup. Et tu pouvais dire qu'on lui a fait beaucoup de plaisir, toutes les deux aujourd'hui, ben tant mieux si on l'a fait. Merci. C'est bien. Enfin, nous tous, merci beaucoup, ma chérie. Alors, un très bon week-end. On va continuer cette aventure, peut-être du pantalon la semaine prochaine. Oui, peut-être la semaine prochaine. Un très bon week-end. Je vous souhaite un très bon week-end. Elle et moi, on va se faire des gros câlins. On va la poignarder. Non, je blague. Je suis en train de l'emmerder. On va rester là, on va vous attendre. Lundi, on est là, mais amusez-vous bien. Je vous fais des gros bisous à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous, des gros câlins comme ça là. Et je fais un gros bisou à notre réalisateur du jour, Rishi Funande. Donc, derrière la régie, je te fais des gros bisous. La dédicace, là, elle est dangereuse. Non, elle n'est pas dangereuse. Je vous fais des gros bisous. Et à vous aussi. Prenez soin de vous. Je vous dis à lundi. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi à partir de 9h. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Merci à tous les téléspectateurs qui ont participé à la Issa Falaï, Etim Pouili, Jean-Bruno Kiyousinga, Marvel Makaya. On pense à vous. On fait des gros bisous. Passez un excellent week-end. Profitez-en au maximum. Sérieusement. Et demain, c'est la fête lundi. Que la fête soit belle. Bye, des gros bisous. À lundi 9h. Merci à Rishi Funande, notre réalisateur du jour.